Chers amis de RVL, bonjour, Dominique au micro sur les 103.1 dans l'émission Photo, on en parle. Eh bien oui, chers amis, ça fait un bon petit moment hein, qu'on s'est eu au télé, à la radio, et puis de parler photo, encore une fois. Vous savez que dans la région, il se passe plein de choses au niveau de la photographie. Hein. Je parlerai du clair-obscur au Mumard, à Lillebonne aussi. À Tivilliers, il y a eu, et il y aura encore aussi des expositions photographiques après l'été. Je voulais aussi vous dire que tout allait bien, puisque, comme vous le savez, chers amis, enfin certains le savent, j'ai eu quelques petits soucis de santé, mais ça y est, rien de bien grave, tout est revenu normal, et on va pouvoir aujourd'hui parler photographie avec des amis, puisque je me suis fait des nouveaux amis. Eh oui, des nouveaux amis. Comment on peut se faire des nouveaux amis? Eh bien, Dominique Hervé est allé exposer à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados, dans un lieu qui s'appelle La Halle, un lieu magnifique pour réaliser des expositions. Et là-bas, j'ai rencontré des photographes. Quoi de plus normal qu'un photographe qu'il rencontre d'autres photographes? Et Dominique a sympathisé avec le président du photoclub de Saint-Aubin-sur-Mer. Et le président s'appelle Michel Charton et il est le président de l'association Lumière de Nacre. Donc, je lui ai dit, ce serait bien de venir parler photographie ici à Épouville. Et puis, parce que je me suis rendu compte quand même que là-bas, sur la côte, il y avait beaucoup d'associations photographiques. Et j'ai essayé de faire un petit inventaire, mais chaque petit village a presque une association de photographes. Et Saint-Aubin-sur-Mer est à 27-28 km de Caen. Caen, il y a aussi des associations photographiques. Et puis, il y a un bouillonnement photographique dans cette région. Alors je me suis dit, je vais inviter le président que je connais là quand même. Et puis, Michel est accompagné aujourd'hui de deux adhérents. Alors, pas n'importe lesquels. Une dame, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth, qui est la petite dernière de l'association. Et puis un des anciens, Claude. L'association a 15 ans. Claude, ça fait 14 ans qu'il est à l'association. Ouais, c'est ça. Bonjour. Et puis le président, Monsieur le Bon. Président, vous, ça fait combien de temps? Enfin, vous, ça fait toi, puisque Ça fait 6 ans. ça fait 6 ans, Ouais. et tu es heureux d'être le président de cette association. Oui, très heureux, ouais. Vous êtes tous à la retraite, si j'ai bien compris. Tous les trois, oui. Oui, ça c'est bien hein, quand même. Hein. On a du temps libre là, hein, pour faire de la photographie, entre autres. Puis n'oubliez pas le bricolage à la maison aussi, entre deux. Hein. Voilà. Et le jardinage. Et Et le jardinage. jardinage. Alors, vous connaissiez Épouville, à côté de Montivilliers? Très honnêtement, non. Non. Non, moi non plus. Non plus. Moi Non non plus. plus. Non plus. Voilà, vous avez fait vos premiers pas cet après-midi à Épouville. Alors, vous savez que chez nous aussi, dans cette région, dans ce coin-là, il y a beaucoup de photographes, mais pas beaucoup d'associations photographiques. Donc, j'étais un peu surpris de voir tout ce qu'il y avait chez vous. Alors, Monsieur le Président, l'association, elle a quel âge? Elle a 15 ans cette année. On Allez. va faire la fête des 15 ans en fin d'année à La Halle, justement, où nous allons exposer nos différents clichés depuis les 15 dernières années, et ceux qu'on trouve les plus chouettes, les mieux réalisés. Un gros truc en décembre sur les fêtes de fin d'année. D'accord. Alors, cette association, elle a été créée par qui? Alors, au départ, cette association, elle est partie sur l'impulsion d'Olivier. Olivier Mériel, Qui photographe professionnel qui est est de notre venu village. parler il y a un an à ces micros. Voilà. Et donc, ça lui tenait à cœur de monter une association de photos. Et avec d'autres copains de Saint-Aubin, il a lancé ce truc il y a 15 ans. Et Alors. le premier président a été Georges Reinhardt, qui est toujours au club. Qui est un des plus anciens. Il en reste trois des anciens, je crois. Il y a Georges, Jean-Philippe et puis Marie-Noël, qui étaient vraiment les trois du début. Puis il y a aussi Jackie Carré.
qui est arrivé un petit peu après. Parmi les anciens. Ouais. Donc cette association, elle a été créée par une poignée de gens. Une poignée de gens. Et surtout Olivier Mériel, qu'il faut le rappeler quand même, est un très grand photographe français. Et qui a la chance aussi d'habiter... C'est un enfant du village, voilà. Donc qui depuis l'âge de 16 ans s'est baigné dans la... pas dans la Manche, mais dans la photo, et qui vraiment est vit pour la photo. Et vit pour la photo. Oui, on l'a invité, mais on va repréciser à nos invités ce que faisait Olivier, ce que fait Olivier, parce qu'il est toujours en train de réaliser ce... Donc, il travaille à la chambre. Il travaille à la chambre, oui. Alors, à la chambre. Tu peux m'expliquer aux auditeurs? Alors, à la chambre, pour les auditeurs, c'est les boîtiers qu'on voit dans les films anciens, souvent sur des travelling où on voit une espèce de grosse boîte avec derrière des plaques et les photographes enlèvent les plaques. Et donc, c'est les chambres photographiques. Et avec le temps, les chambres ont été un petit peu réduites. Et donc, Olivier a travaillé à la chambre 4-5. Donc, 4-5, c'est en inch. Hein, donc, 4-5 inch. À la 13-18 et à la 24-30. Et toutes ces photos, maintenant, sont prises à la 13-18 ou la 24-30. Donc, c'est une spécialité et il ne travaille que en noir et blanc. Alors c'est du travail. La chambre, on peut faire de la chambre en couleur, mais bon, c'est pas notre spécialité puisque nous, Saint-Aubin Lumière de Nacre, poussés par l'origine d'Olivier, nous ne faisons que de l'argentique noir et blanc. Alors c'est le but de l'association, si j'ai bien compris. Ah oui. Oui, ça, on y tient. On nous traite un peu de dinosaures dans la région, mais on est les seuls de la région à faire uniquement de l'argentique noir et blanc. Alors, les dinosaures, oui, mais ce sont de bons dinosaures, puisque si j'en déduis ce que je viens de vivre à Saint-Aubin, puisque j'ai accroché une exposition il n'y a pas longtemps, en noir et blanc, et j'étais très surpris, parce qu'il faut dire qu'à Saint-Aubin, il y a beaucoup de gens, de Parisiens, hein, qui ont une résidence secondaire, et ces gens-là ont apprécié le noir et blanc. Donc, vous êtes des bons dinosaures, parce que je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là, parce qu'on sait très bien que s'il y a un petit côté artistique dans l'image aujourd'hui, elle viendra de la photographie argentique. Donc, de la photographie argentique noir et blanc, puisque les gens ont apprécié énormément. Et donc, il y a dans votre région plusieurs clubs qui travaillent en images argentiques, noir et blanc. Oui, oui. Disons que la majorité des autres clubs, à part le nôtre, font les deux, numérique et argentique. Alors, bon, par exemple, les clubs de Caen, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'adhérents, et il y en a 4 ou 5, 3 ou 4 qui font de l'argentique pur. Et les autres, ce sont en numérique, mais dans chaque club, il y a un petit... tout petit noyau argentique quand même. Est-ce que vous... Non. Est-ce que nous, on est totalement argentique. Noir et blanc. Oui. Alors, le noir et blanc. On fait comment pour arriver au noir et blanc quand on vient de débuter, comme toi, Elisabeth? Oui. Alors, le noir et blanc, ça te parle comment? Oui. C'est-à-dire, c'est ta jeunesse, c'est des vieilles photos, et puis tu te dis, tiens, je ferais bien du noir et blanc, parce que ça va me rappeler quelque chose. Ou alors c'est vraiment, carrément, quelque chose de nouveau, et puis tu te dis, je vais créer en noir et blanc. Bonne question, tout cela. Moi, j'avais fait, il y a une bonne trentaine d'années, de la photo noir et blanc, et pour des raisons diverses et professionnelles, j'ai arrêté. Et arrivé à Saint-Aubin, où je suis installée définitivement... On m'a fait connaître ce club Lumière de Nacre. Et en plus de cela, dans ce club, il y a la possibilité de faire ses tirages soi-même. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Alors, pourquoi le noir et blanc? Tout simplement parce que moi, je viens d'un monde du silence. En fait, je n'entends rien quand je n'ai pas de prothèse. Il faut le dire aux auditeurs, c'est que tu es sourde. Je suis sourde, voilà. Alors, tu es sourde, mais tu entends tout ce qu'on dit quand même, là. Oui, grâce à des prothèses. Mais je ne les porte pas toujours. Et ma vie est essentiellement visuelle, en fait. Et le noir et blanc peut permettre une variété infinie de possibilités d'expression. On voit la vie en couleur, mais en noir et blanc,
chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et c'est ça qui m'intéressait dans le noir et blanc. Non, ce qu'il veut, c'est-à-dire, c'est quoi ce qu'il veut? C'est quelque chose de... ça peut être un souvenir d'avoir vu des vieilles photographies. Ou alors, est-ce que c'est le souvenir aussi de se dire, je vais laisser une trace dans le temps et il sera en noir et blanc? Il faut interpréter le noir et blanc quand même. Parce que aujourd'hui, notre vue, elle est en couleur et on va photographier en noir et blanc. Alors, il faut déjà quand même se creuser un petit peu, entre guillemets, les méninges pour dire, bah tiens, cette photo-là, je vais la faire en noir et blanc et pas en couleur. Oui. Mais comment tu fais? C'est vrai. Je suis incapable de dire comment je réfléchis ou je ne réfléchis pas quand je fais une prise de vue. Mais c'est pratiquement intuitif. Et comme je le disais tout à l'heure, l'espace du gris, du blanc, du noir, il y a une infinité de nuances qui permet à celui qui prend la photo et celui qui la regarde d'y mettre ce qu'il veut au niveau expression. Et effectivement aussi le sujet qui est aussi en lui-même quelque chose de... C'est un sujet à lui-même. Hein. Il y a des sujets bien qui se prêtent mieux que d'autres à faire du noir et blanc? Oui, pour moi, oui. Et quel genre de sujet? J'ai très très peu je fais très peu de photos de personnages, de personnes humaines. Il y a très peu d'humains dans mes photos. Il y a beaucoup de choses que les hommes ont fabriquées, des usines, des ponts, il y a aussi la nature, mais très très peu d'interventions de visages humains. Et ça, bon, pourquoi? Peut-être parce que je manque de communication justement avec les humains. Oui, parce que j'essaie de faire passer à travers mes photos un esprit poétique, Parce que, pour avoir pratiqué, des traits de caractère, on les trouve facilement en noir et blanc. Quand tu photographies quelqu'un en noir et blanc, et qu'on te présente la photographie, tu peux déjà commencer à connaître un tout petit peu, à aborder son caractère. Tu te dis, tiens, c'est un personnage, grâce à ses yeux, grâce à l'éclairage aussi, hein, grâce à son sourire, et puis le visage, quoi, s'il est illuminé ou pas. Et on arrive à connaître un tout petit peu, avant d'avoir vu la personne, à percevoir ses traits de caractère grâce au noir et blanc. Et là, je vais me retourner vers Claude, qui, lui, est un des anciens. Oui. Peut-être le plus vieux d'ailleurs autour de cette table. Autour de cette table. Auprès de ce club. Donc, alors toi, tu es arrivé comment Moi, j'ai fait de la photo. Mon premier appareil photographique, je l'ai reçu à l'occasion de ma communion solennelle. Comme beaucoup. C'était un Instamatic Kodak. Donc, j'ai fait quelques photos en tant que petit enfant, hein, jeune adolescent. J'avais 11-12 ans. Et puis, par la suite, j'ai eu une autre passion qui a été la musique, donc qui m'a pris beaucoup de temps. Puis après, il y a eu les études, voilà. Alors, toi, tu es retraité de l'enseignement. Moi, je suis retraité de l'enseignement, oui, voilà. Je suis retraité depuis juin 2003. Le club s'est créé en 2002 et donc dès que j'ai été en retraite, j'ai eu connaissance grâce au forum des associations que ce club existait à Saint-Aubin. Je connaissais de longue date Olivier Mériel parce que j'étais présent à beaucoup de ses expositions dans la région. Donc son style me convenait, me parlait. Donc j'ai eu envie de le connaître, hein. J'ai pas, en sachant très bien que c'était son métier, il n'était aucunement question de rivaliser, de compétition, etc. Mais je me disais, au contact d'une personne comme lui, je ne savais pas qui j'allais rencontrer d'autre dans le club, mais je me dis au moins là il y a quelqu'un de très très compétent qui va pouvoir, parce que ça a toujours été dans ma vie une raison d'être, envie de savoir, de progresser, d'apprendre. Je me disais, voilà quelqu'un qui va pouvoir me faire évoluer positivement. Donc je suis rentré la deuxième année. Et puis, Alors, petite question aussi sur le matériel, parce que Olivier travaille à la chambre, mais vous travaillez avec quoi? Moi, je travaille avec un 24-36.
parce que j'aime bien le. Bon, je voyage un peu et j'aime bien les photos instantanées. Hein. J'aime bien prendre des scènes de rue. Je vois par exemple, on parlait tout à l'heure de pourquoi le noir et blanc et pas la couleur, par exemple. Bon, ben, j'ai été il y a quelque temps au Rajasthan. Hein, les femmes portent des saris verts, rouges, elles travaillent sur des chantiers, elles travaillent beaucoup. Les femmes, elles ont un sort guère plus enviable que les femmes musulmanes. Hein. Et ben, j'ai toujours deux appareils. J'ai un appareil qui me permet de faire du numérique et un appareil, donc un appareil Canon, un Canon. Et puis j'ai aussi depuis quelque temps un Leica R5 bon, que j'ai acheté d'occasion. Alors, Leica, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le top des appareils photo. Ouais. Et donc, j'ai photographié des scènes de rue, hein, de femmes en train de travailler sur des chantiers, en sari. C'est très beau en couleur, mais j'ai fait les mêmes photos en noir et blanc, et j'ai beaucoup plus d'émotion à regarder mes photos noir et blanc. Beaucoup plus d'émotion. La couleur, je trouve que ça s'impose tout de suite, mais... on peut très vite détacher son regard de la photo, alors que sur une photo noir et blanc, on y lit des sentiments, des expressions. C'est peut-être une interprétation personnelle. Hein. Non, pas du tout. On va y revenir d'ailleurs juste après cette pause musicale que Cyril nous a concocté. Une petite pause musicale, Cyril. Et c'est quoi? Parce que là, je... Alors, c'est le choix de Claude, c'est Bruce Springsteen. Et puis j'ai pris le titre Street of Philadelphia. Voilà, on va voyager. Thank you.
Et oui, chers amis auditeurs, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Et aujourd'hui, je reçois trois personnes de Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. Saint-Aubin-sur-Mer, à 27-28 km de Caen, alors pas loin de Courcelles, pas loin de Bernières. Ouistreham, charmante petite ville du bord de mer, très côtier, très prisée par les Parisiens puisqu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Qui a été fréquentée par Pasteur à la fin du 19e siècle. Entre autres. Donc, on s'y sent bien là-bas. Moi, j'y suis allé de nombreuses fois là, ces deux derniers mois. Et moi, ouais, j'aime beaucoup. Saint-Aubin-sur-Mer, c'est la reine de l'iode. C'est donc, et l'iode étant recommandé pour les gens qui ont des problèmes, entre autres, de thyroïde. L'air est très, très sain. Très iodé. Très iodé. L'air est très iodé. Et ce qui peut avoir une incidence sur le comportement des gens un peu nerveux. Oui. J'avais remarqué aussi. J'avais un peu remarqué que le président était un peu nerveux quand même. Non. C'est pas vrai. Alors, monsieur le président Michel, dis-moi pourquoi toi tu es vu en noir et blanc ? Parce que toi, tu as pris le train en marche. Oui, j'ai pris le train en marche, mais si j'essaie de me souvenir un petit peu de ma vie photographique. Si petite soit-elle. J'ai commencé la photo dans les années 60 en cherchant un petit boulot d'été à Saint-Aubin, bien entendu, puisqu'il fallait, étant étudiant, il fallait trouver un petit boulot. Et j'ai baigné dans la photo en faisant les photos de plage. À cette époque, bon, les anciens s'en souviendront, il y avait des photographes qui arpentaient les plages en te donnant un petit ticket et tu allais voir tes photos le soir chez le photographe local qui avait eu le temps de développer les négatifs et qui te montrait ça en négatif noir et blanc. Et j'ai fait ça pendant un été où j'ai fait la bagatelle de 30 000 photos. C'est-à-dire que j'étais missionné pour prendre la plage en enfilade. Et quand j'avais fini dans un sens, il fallait que je la fasse dans l'autre sens. Et la présidente la photographe qui me pilotait me disait, il faut que tu fasses au moins entre, disons, 25 ou 30 pellicules par jour. Alors c'était des pellicules 24-36. Et ça faisait quand même pas mal de photos. Et puis j'avais continué à faire de la photo. Et puis je me suis orienté directement sur la diapositive. Couleur, où là j'ai continué à beaucoup mitrailler, mais c'était la facilité de la diapo, puisque la diapo était beaucoup moins chère. Et au cours de voyages ou autre, j'ai fait beaucoup de photos, couleurs, tout ça, mais j'étais pas revenu au noir et blanc. Et puis après la vie active, je suis revenu sur Saint-Aubin, je me suis installé définitivement à Saint-Aubin, et un jour j'ai croisé, on se connaît depuis l'enfance, Olivier qui me dit, mais pourquoi tu viens pas au club? J'ai dit, bah oui, pourquoi pas, c'est... Il me dit, bah viens. Alors j'avais trois boîtiers 24-36, et je suis rentré comme ça au club, par hasard, si tu veux, en le croisant, alors que je savais qu'il était au club photo, mais j'avais pas eu de moi-même la démarche pour y rentrer. Et puis, alors, c'est une démarche un peu différente, un petit peu différente, de venir dans un club photo où on réalise que du noir et blanc. C'est-à-dire que là, on touche l'image artistique, puisque c'est du beau, ce qu'on expose. Donc, c'est très difficile à prendre, parce que il faut avoir aussi, c'est ce que nous disait tout à l'heure Elisabeth, c'est que il faut sentir, il y a des intuitions. On fait de la photographie noir et blanc parce qu'il y a un éclairage, parce qu'il y a des couleurs de gris et des couleurs de noir, des couleurs de blanc aussi. Des blancs purs ou des blancs cassés ou des blancs. Et tout ça, il faut savoir les mettre en harmonie pour réaliser une belle image. Ouais. C'est pas dû à tout le monde, ça. Non, mais bon, on est quand même, on doit être favorisé par rapport peut-être aux autres clubs, c'est qu'on a Olivier. Et malgré tout, ça nous aide grandement parce qu'on fait des sorties photos avec lui. Aye. Et il donne des conseils. Et ces conseils sont toujours, c'est les meilleurs. Et moi, j'avoue que j'avais des soucis quand je suis revenu dans le club. J'avais des soucis avec la maîtrise de la profondeur de champ ou des choses comme ça. Tout de suite,
il vient à côté de toi, il t'explique, et bon, et tout passe, disons, presque naturellement. Ouais, donc c'est quand même énorme. Hein, ouais. D'avoir un professionnel, quoi. Bah, oui, tout à fait. Oui. L'association, proprement dite, Lumière de Nacre, elle fonctionne comment? Comment on fait pour être adhérent chez vous? Et qu'est-ce que l'association nous apporte? Alors l'association, elle est totalement ouverte. Seule contrainte, faire de l'argentique noir et blanc. C'est tout. Mais n'importe qui peut y rentrer. De 14 ans ou de 12 ans à 80 ans. On en a qui vont plus être très très loin maintenant des 80 ans. Et bon, il suffit simplement d'avoir l'amour de la photo. Hein. Et donc, on rentre. Bon, bah, par exemple, pour Elisabeth, avant d'officiellement dire ça m'intéresse et tout, bah, à voir ce qui se passe dans nos réunions du vendredi soir. Elle en assiste à une, à deux, à trois si elle veut, à cinq ou six. Puis elle dit, bon, bah, finalement, ça me plaît, je rentre chez vous. Donc là, elle adhère. Donc on a une cotisation annuelle. Qui est de combien? Qui est depuis 2015 de 40 euros. Mmh. Et 35 euros auparavant. Et auparavant 35 euros. Et on euros. A un tarif préférentiel pour les jeunes. Et on a un tarif demi-tarif pour les jeunes. Donc, tout repose sur le bénévolat hein, chez vous. Ah, complètement, complètement. Et vous avez une subvention aussi, je crois, municipale. Oui, on est très aidé par la commune parce qu'on a une subvention municipale qui est conséquente, puisque cette année, elle sera de 700 euros. Et en plus, on est hébergé dans les locaux communaux. C'est-à-dire qu'on a la gratuité totale, un labo et une salle de réunion qui sont quand même correctes, entre 15 et 20 mètres carrés chacun. Ouais. Et on peut se retrouver à une bonne quinzaine de personnes dans la salle de réunion, donc ce qui est agréable. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres subventions aussi du département? Non. Vous n'avez pas de... Je dois dire que moi, en tant que président, et je pense que les présidents antérieurs aussi, on n'a jamais demandé au département d'avoir une subvention. On a fait de reportages, entre guillemets. Mmh. On a eu une commande par la ville de Lyon-sur-Mer, qui se trouve au bord de la mer, hein, pas loin de Saint-Aubin, et une autre de Blainville-sur-Orne, où on avait eu une subvention pour acheter le papier et les films, pour être indemnisé de comment... Des frais, oui. Des frais de... Comment, parce que le papier photographique est très cher. Oui. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, bonne question. Où c'est que vous achetez votre papier? Parce qu'il n'y a plus de magasins. Il n'y a plus de magasins. Alors, le papier... Et les produits? Papier et produits? Il y a presque plus de produits. Hein. Il y a Ilford qui en fait encore un peu. Et là aussi, un petit peu par le biais d'Olivier, qui, lui, travaille sur des papiers FOMA. C'est du papier tchèque, FOMA en grand format, puisqu'il fait ses tirages essentiellement en 50-60 ou 60-80. On a pu rentrer en contact avec l'importateur exclusif de FOMA pour la France, qui se situe en région parisienne, et on commande directement nos papiers chez FOMA, à des prix professionnels, donc des prix préférentiels. Et donc, on travaille sur du papier barité, en grande partie. On fait très très peu de papier plastique, on fait du barité et on l'a à des prix vraiment corrects. Correct. Et les films aussi, parce que alors c'est variable les films, parce que les films, il y en a qui sont fans du FOMA, qui fait des films aussi bien entendu, et puis il y a des gens comme Claude par exemple qui préfèrent le Ilford. Donc, Film aussi. Oui, ouais. Oui. En film, oui. Et bon, ça tourne. Un coup, on prendra du FOMA, mais chacun en film, chacun est, disons, libre d'acheter ce qu'il veut. En papier, c'est plus difficile parce qu'il y a une telle différence de prix entre FOMA et Ilford qu'on revient quand même à FOMA. Et les produits, pareil, vous trouvez? Alors les produits, ça devient un gros problème, les produits. On en a parlé hier justement. On se réunit tous les 15 jours. Pendant très longtemps, c'est la troisième année qu'on a pris la décision de se réunir que tous les 15 jours. Auparavant, on se réunissait tous les vendredis soirs, mais on s'est rendu compte que d'une semaine sur l'autre, on n'avait pas forcément matière à enrichir la connaissance de la photo. Donc, on a reculé nos rendez-vous. Donc, et hier soir, justement, ça a été un débat, le problème des produits. Donc, on va acheter dorénavant nos poudres. Hein.
On s'est acheté une balance. Alors là aussi, de précision. On revient 50 ans en arrière. On va refaire nous-mêmes nos produits avec des poudres chimiques. Donc, ouais. Alors ça s'achète où ça, c'est cool. Alors là aussi, on va se fournir chez Foma, qui fait donc le révélateur en poudre, le fixateur en poudre et révélateur film et pellicule en poudre. Ah, mais vous allez avoir des mélanges de poudre. Comment ça non, se passe non, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. En fait, c'est des sachets de 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes de poudre, mais que tu dilues dans l'eau et qui te donne un litre de révélateur. D'accord. Donc, qui, une fois qu'il est fait, va servir pour peut-être 5, 6, 7 pellicules ou une dizaine de photos. Donc il suffit simplement qu'il soit bien conservé, parce que sur Caen, alors je ne sais pas sur Le Havre, mais sur Caen, trouver de la chimie, c'est très difficile. C'est difficile, oui. Ouais, oui. Et alors on en trouve par correspondance, il y a toutes les boîtes d'Internet. Mais ouais. Le problème, c'est que tous ces produits sont en bouteille d'un litre. Un litre égale un kilo, et on a des frais de port énormes. Donc ça multiplie des commandes groupées. Oui, alors mais quand tu as 50 bouteilles d'un litre, ça fait 50 kilos. Alors ouais. Là, ça douille. Ouais, hein. Ouais. C'est parfait pour quelqu'un qui est débutant, justement, de voir comment on procède pour faire des tirages à partir de la chimie qui va arriver. Et le processus. Moi, j'arrive peut-être la dernière, mais peut-être aussi au bon moment pour me former. Donc, Elisabeth, toi, tu fais du labo, là, depuis... Ah oui, ça y est, dès le début. J'apprends avec eux, ils ont une patience incroyable. Ils ont une patience ? Ah oui, bon. C'est des anges. Ils sont gentils. Et toi, tu as quel genre de matériel photo ? Ah, moi, j'ai un 24-36 aussi, et puis deux autres plus petits, deux appareils plus petits. Oui. Alors, naturellement, film noir et blanc. Oui. Et quel film noir et blanc tu utilises ? Ah ben, j'utilise ceux du club. Comme j'avais arrêté depuis 30 ans, c'est vraiment une reprise en main, donc j'utilise le matériel du club. Alors, j'ai visité votre laboratoire, mais j'ai bien vu que vous y avez de la triche, hein, parce que vous faites vos planches contact, et vous les scannez, vous les numérisez hein, quand même, et vous ne faites plus comme nous, on faisait dans le temps. Non, c'est uniquement pour, c'est nouveau, pour se rendre compte, en fait, le scan qu'on a pris, c'est quand tu as ta planche contact, tu numérises tes négatifs. Alors, la planche contact, il faut dire aux auditeurs ce que c'est. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est le film qu'on va couper par bande, hein, bande 6 vues. Oui, c'est 6 vues. Et que on va. Donc, on a un film de 36, 6 fois 6, 36, 6 bandes. Qu'on va mettre sur le papier photo direct. Le papier photo direct et par-dessus une plaque de verre. Voilà, et on va allumer la lumière de l'agrandisseur. Et là, on va exposer quelques secondes ces vues. On va développer la photo et là, on verra apparaître. Les images, les vraies images. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Mais aujourd'hui, vous avez changé le système. Au lieu de passer par les bains, vous passez par un appareil qui va numériser. C'est exactement le même principe. C'est le même principe. Tu prends ta pellicule, ta bande de 6 négatifs, tu la numérises et tu l'as directement sur ton écran d'ordinateur. Voilà. Donc tu vois tout de suite le rendu que tu vas avoir. Donc si tu veux pousser les noirs dans un coin, tu sauras que quand tu vas revenir avec ton négatif sur l'agrandisseur, tu sauras que tu vas te pousser à cet endroit-là. On ne fait pas nos tirages non, c'est juste le contact. C'est uniquement pour regarder. Le contact, c'est un visuel, hein, voilà. Une vue d'ensemble du sujet qu'on a fait au format 24-36. Oui. On était limité quand on faisait une planche contact. Oui. Oui, c'est-à-dire que ton format 24-36, c'est 24 mm par 36 mm. Voilà, c'est ça. Tandis que quand tu le fais au scan, tu l'as à l'écran. Et à l'écran, tu peux l'avoir en 24-30 cm. Centimètres, voilà. Alors, il y a une grande différence, là, quand même. Hein. Oui. Alors, et puis l'intérêt de la planche contact, c'est que, bon, quand on a un sujet très intéressant, on tourne autour du sujet, on attend la lumière, surtout en Normandie, hein, chez nous, les ciels, par exemple, quand on fait des photos de paysage, les ciels sont très changeants. Donc, sur le même sujet, par exemple, on a eu un reportage à faire sur Port-en-Bessin, la vie d'un port.
Donc on a fait pas mal de sorties. On peut faire l'avantage de la prise de la planche contact, c'est qu'on fait plusieurs prises de vue. Mais au tirage, ça va permettre de choisir pour le tirage la photo. L'agrandissement, la photo qui va mériter d'être travaillée. Oui, parce que derrière, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que vous êtes de vrais magiciens. Parce que vous avez une projection sur un plateau de l'image en négatif. Hein. Donc là, il faut tout interpréter. Mm-hmm. Donc le noir est blanc et le blanc est noir. Alors dedans il y a les gris, alors il y a tout ça, il y a la netteté qu'il faut faire et puis il faut retravailler cette image. Ah oui, alors place au ciseaux, au carton, au doigt, au masquage, aux mains, au masquage, c'est ce qu'on appelle le masquage. Alors aujourd'hui ça se fait à l'ordinateur, donc c'est très simple, mais là on le fait à la main. Là on le fait complètement à la main. C'est-à-dire que si on a des zones où c'est surexposé de lumière, eh bien il faut trouver une bidouille. On prend un carton noir, on fait un trou dedans, et puis hop, sous l'agrandisseur, on va noircir un tout petit peu cette zone blanche pour que ce soit agréable à regarder, quoi. Ou l'inverse aussi. L'inverse. Des fois, c'est trop noir dans des zones, et puis on va se dire, ben, dedans, il y a du détail, il faut que je débouche un peu ça pour qu'on voie les détails. Donc là, c'est de la magie, là. Et puis en plus, le laboratoire. Comme je disais à Michel quand je suis allé visiter le laboratoire, bon, il y a 10 ans, j'ai pas fait du laboratoire noir et blanc, mais il y a une odeur dans un laboratoire noir et blanc, il y a une odeur. Et ça, quand on a baigné dedans pendant des années, pendant une partie de sa vie, c'est vrai que ça fait plaisir d'humer tous ces produits qui sont toxiques, hein, rappelons-le. Alors, j'ai vu aussi que maintenant, vous faites aussi, vous récupérez les produits. Oui. Hein, vous ne les jetez plus à l'égout comme nous, non. On le faisait il y a encore une dizaine d'années. Donc vous récupérez tous les produits usés, vous les mettez dans les bidons et vous portez la déchetterie. Hein, voilà. C'est ça. Ouais. Très bien, très très bien. Donc vous êtes des écolos en plus, c'est bien ça. Hein. Alors on va passer à une autre petite pause musicale. Alors là, Cyril nous a concocté quelque chose que je ne connais pas du tout. C'est le choix de Michel, c'est une musique jouée par Syntax, le titre c'est Pride, qu'on peut entendre à chaque fin de la série Alice Nevers, le juge est une femme, qui est je crois diffusée sur TF1. Et voilà, et c'est le choix de Michel, vous allez voir, c'est vraiment une très très belle musique. Et pour les gens qui regardent la série, ça va vous rappeler des choses. Thank you.
out a little while. Give up on your pride. And don't hide. Shine a little light. Give up on your pride. Chers amis, vous êtes bien sûr RVL 103.1 dans l'émission Photo. On en parle avec Dominique et ses invités de Saint-Aubin-sur-Mer. Saint-Aubin-sur-Mer, Calvados, ce sont des gens qui pratiquent la photographie au photoclub qui s'appelle Lumière de Nacre. Voilà. Pour continuer ce dernier quart d'heure d'émission, j'aurais aimé connaître un petit peu vos projets photographiques. Je sais que vous faites aussi des sorties collectives. Est-ce que ce sont des sorties qui ont un aboutissement au niveau d'une exposition, au niveau d'un projet de publication? Votre association réalise de nombreuses sorties, oui. Ce que j'ai pu comprendre. Oui, oui, on fait des sorties. On essaye de faire une sortie par trimestre. Bon, c'est pas toujours réalisable, mais on essaye quand même de s'y tenir. Et ça aboutit toujours, normalement, à une. C'est dans le but d'une exposition ou d'un résultat de groupe. Les dernières sorties, c'était des sorties qui se retrouvaient être centrées sur notre projet de Port-en-Bessin, où là, on a fait quand même au moins 5 ou 6 sorties en groupe, plus des sorties individuelles, puisque c'est à 20 bornes de chez nous, donc il suffisait de prendre la voiture et d'y faire un saut. Donc sortie, ça veut dire que vous... Est-ce que vous prenez tous la même photo? Alors pas obligatoirement, parce que ça a été un petit peu un des reproches qui a été fait quand on faisait des sorties, c'est de dire, bah oui, mais la sortie, tout le monde va prendre la même photo. Or, en fait, non. Déjà, tout le monde n'a pas le même angle de vue. Et puis c'est quand même varié. Hein. Tu peux sur 180 degrés, ça ne sera pas du tout la même photo. Bien sûr, oui, mais suivant les auteurs, ouais. Il y en a qui vont chercher ce qu'il y a dans le sable, et puis il y en a qui vont chercher ce qu'il y a sur l'eau. Voilà, à Port-en-Bessin, on est arrivé ensemble, hein, mais ensuite, une fois sur le port, on se disperse. Hein, oui. Alors. Ce que je voudrais savoir, c'est, je sais que vous réalisiez au bon mot 2 voire 3 expositions, oui, par an, qu'il y a aussi carte blanche, une fois tous les 2 ans à peu près, oui, hein, sur un auteur. Alors est-ce que Elisabeth pourra être candidate pour avoir une carte blanche? Ah ben, Elisabeth, dès qu'elle aura matière
à exposer, il n'y a aucun problème. Aucun problème, au contraire. Déjà, ces trois premiers, disons, ces trois premiers tirages nous ont déjà été exposés, puisque on a fait une exposition il y a une quinzaine de jours, et elle nous a surpris parce que c'est ses premiers depuis 30 ans, et c'était des très beaux résultats. Oui. Mais de là à faire une exposition toute seule, pas encore. Ah, mais c'est déjà parti à Barcelone. Mes trois photos seront exposées chez un ami qui a un magasin à Barcelone. Ah ben c'est le début. Ah, c'est elle est coquine, elle nous avait rien dit, mais elle a récupéré ses photos et elle les a descendues à Barcelone. On n'est jamais si bien servi que par soi-même déjà, et d'une. Voilà. Et puis tu nous diras quand même si tu as du succès là-bas, parce que oui. Qu'après, il va falloir nous montrer. Il y en aura d'autres de prévus, notamment en groupe. J'ai jamais fait en groupe, c'est intéressant. Un travail de groupe, c'est très intéressant. Oui. C'est confronter un petit peu ce travail. Et puis il y a le côté très sympathique de la sortie de groupe, quoi, parce que bon. C'est vrai que la sortie individuelle, bon, tu fais tes photos, tu rentres, t'as fait ton... bon, c'est un petit peu frustrant, alors que la sortie de groupe... Un moment de partage, là, oui, donc c'est sympa. Ouais. Donc, la photographie, je voudrais revenir un petit peu sur... Alors, est-ce que la photographie aujourd'hui, la photographie dans notre société, est-ce que c'est plus une image d'information ou est-ce que c'est plus une image artistique ? Quand vous ouvrez un magazine, bon, vous êtes abonné à des magazines photos, je suppose. Ouais. Hein, quelles sont vos impressions, vos ressentis par rapport à ça? Bon, la presse, les journaux, bon, il est évident que là, ça se feuillette assez rapidement, il y a à lire et à regarder, mais ce n'est pas du tout le même image que vous réalisez. Alors, vous, quel genre d'image vous pouvez donner au public pour dire ben, « arrêtez-vous sur mes images et puis je vous présente de l'image artistique ». Alors comment vous allez faire là, l'image artistique? Moi j'aime bien que l'image allie l'information à l'artistique. C'est-à-dire que bon, moi j'ai la chance, j'habite à Grez-sur-Mer. Tous les ans, depuis 15 ans, j'assiste au mois de novembre à la semaine des correspondants de guerre. Hein, et ce sont des gens qui reviennent d'Irak, d'Afghanistan, qui nous montrent des choses, qui témoignent. Et je suis toujours étonné. Alors, il y a par ailleurs des expos à travers la ville de Bayeux. Et je suis toujours étonné du mariage qu'il y a entre l'information et le côté artistique. Ils arrivent dans ces photographes de guerre, entre guillemets. Ils arrivent dans des moments très très délicats. Je ne sais pas comment ils font, parce que nous on prend notre temps pour une prise de vue. Hein. On prend notre temps, on tourne autour du sujet, mais on n'a pas les balles qui sifflent autour de nous. Et j'ai vu des photos mais extraordinaires de prises dans des conditions où les gens, à mon avis, les photographes risquaient leur vie. Et j'ai vu des photos artistiques exceptionnelles. Je voyais par exemple, j'ai fait moi un exposé au club sur Marc Riboud. Marc Riboud, oui. Le frère d'Antoine Riboud qui était PDG de chez Danone. Bon, ben, il a fait des photos sur la Chine, sur le Vietnam, des photos de rue qui sont des témoignages, mais en même temps qui sont des photos artistiques. Hein. Est-ce que c'est la même avis pour toi, Michel? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je pourrais rajouter en disant que c'est de la communication non verbale, les photos. Donc, on peut y mettre ce qu'on veut, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a de l'information, de la poésie, brutalité, il y a toutes les gammes, ça passe par toutes les gammes. Oui, vous êtes gâté aussi dans votre région, il y a beaucoup d'expositions, de grandes expositions. Tu parlais Bayeux, c'est vrai que la photojournaliste à Bayeux, à la Pignon sur rue, et au même titre que tout à l'heure, là, j'en parlais pas tout de suite, comme à la Gacilly, dans le 56, dans le Morbihan, il y a, et en ce moment, il y a une exposition, c'est focus sur l'Afrique. Je suis allé voir ces expositions en extérieur, c'est incroyable, c'est 40 000 visiteurs pendant 3-4 mois. Et plus que ça, je crois, 40 000 visiteurs qui viennent voir ce genre d'exposition. Donc des expositions en extérieur, donc sur des grands panneaux qui font 1 mètre sur 1 mètre 20, voire plus grand même, avec des légendes. Alors des textes, des légendes. Donc un grand intérêt à retrouver ce genre d'image. Alors est-ce que vous voulez faire partie des gens
qui justement réalise ce genre d'image, ou est-ce que vous dites bon, non, on est des simples amateurs et on reste dans notre coin? Voilà, ben c'est ça, je crois qu'il faut, faut rester modeste. On n'est pas à ce niveau-là, nous. Non. Bon. Oui, mais il y a des petites expositions qui peuvent venir se greffer à de grosses expositions. Oui, j'ai vu ça. Oui, mais est-ce que des petits clubs comme le nôtre, on est quand même tout petit, est-ce qu'ils seront acceptés dans ces grosses expositions? Si alors, demain, je me pointe à la Gacilly... Tout le problème est là, quoi. Alors, vous avez de la chance, vous avez un bon pilote. Et ça, vous vous en servir, il ne faut pas lui dire, on lui dira pas. Il s'appelle Olivier. Donc, lui, il pourra vous aiguiller. Mais ceci dit, moi j'ai vu, par exemple, on est modeste et moi je le regrette pas, mais ceci dit, j'ai vu une exposition récemment d'un grand photographe, Auguste Sander. Il y a une vingtaine de ses photos qui sont exposées dans une abbaye romane à Cerisy-la-Forêt. Bon, ce sont des photos de la vie paysanne. Ben, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, parmi nous, on aurait pu... On pourrait exposer, hein, on dirait que ce sont les photos d'un tel et d'un tel d'entre nous, qu'on n'aurait pas à rougir. On n'a pas la notoriété d'Auguste Sander, mais j'ai trouvé quand même qu'on tenait la route par rapport aussi à un gars comme ça. Et il y a aussi le lieu d'exposition, que ce soit dans une église ou en extérieur ou tout, c'est aussi important que les photos elles-mêmes. Ben oui. On n'accroche pas les mêmes images dans une église que dans une salle d'exposition comme la halle chez vous. Ah oui, un lieu, il est magnifique, je le rappelle encore une fois. C'est vrai que vous avez cette chance, l'opportunité d'avoir une très jolie salle. Donc il va falloir que vous œuvrez pour présenter dans cette salle de très grandes expositions, de grandes, très belles expositions. Pas grandes par la quantité, mais... Très belle. Alors, vous êtes des stakhanovistes du noir et blanc, donc il va falloir y aller. Hein. J'espère que je serai invité à ces expositions. Et la belle image, je me déplace, bien sûr. En parlant de photographes, tiens, chacun là, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un photographe dont vous avez de l'admiration, mis à part Olivier Mériel, hein. Bon, on va pas reparler de lui. Elisabeth. Ben justement, c'est lui. C'est lui, je ne savais pas du tout. Ah, t'es amoureuse de lui ? Non. Je l'ai vu par hasard dans une librairie. J'ai été vraiment scotchée. Et après, j'ai su Mériel. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à des noix à Saint-Aubin. Et en fait, c'était. C'était son image. Donc, je vais avoir du mal à le contacter si j'habite Saint-Aubin. Ça va être difficile et tout. Et pas du tout, voilà. Pas du tout. Ça s'est fait naturellement. Il y en a d'autres. Mais Olivier est très gentil. Oui, il est adorable. Ouais. Il est adorable. Mais il y a des photographes américains qui sont connus. Hein, c'est bien qu'on remette ça aussi à la culture française, à la photographie française. Et pas très très bien connu finalement. Donc ce serait bien. Oui, beaucoup de photographes français ont exposé à l'étranger avant d'exposer en France. Il fallait qu'ils se reconnaissent à l'étranger avant de se faire connaître en France. Ça c'est dramatique. Michel, toi, moi, j'ai photographe pas... ou ta photographe Peut-être Bill Brandt. Oui. Oui, peut-être, oui. Autrement, bon, bien sûr, certains, pas tous, mais certains clichés de Doineau. Oui. J'aime. Pareil aussi, en faisant un choix restrictif, l'Artigue. Bon, autrement, bah, tous les autres grands qu'on connaît. Qu'on connaît. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la totalité de leur œuvre. C'est une ou deux photos par-ci, par-là qui vraiment m'interpellent. Mais autrement, je suis assez difficile de ce côté-là. Et toi, Claude ? Moi, j'ai découvert il y a quelque temps un photographe finlandais qui s'appelle Pentti Salamati. Alors, il fait quel genre de photographie, ce monsieur ? Bien, ce sont des photos de paysages sous la neige, hein, des paysages nordiques. Il a beaucoup sillonné l'Europe du Nord, la Russie. Il a suivi également pendant 2 ou 3 ans des gens du voyage, des gitans. Il a fait des photos remarquables. Il a participé à ce qu'il vivait au milieu d'eux. Hein. Il partait avec son sac à dos, hein, et puis il n'avait pas d'attache familiale. Il les a accompagnés. Donc il a été témoin de beaucoup d'événements familiaux, mariages, décès. Il a fait des photos vraiment saisissantes au point de vue
du sentiment qu'elle dégage. De l'image. De... Ah, ouais. Et il y a des lumières extraordinaires sur les paysages, sous la neige. Tu as vu des expositions de lui ou... Non, j'ai un livre. Un livre que j'ai acheté sur Internet, chez Amazon. Et, sans faire... sur Internet. Oui, ouais. En parlant d'Internet. Votre club, là, n'a pas de site ? Non, pas encore. Il en avait un, mais il est tellement minable que pour l'instant, lui, qu'il n'en a pas. Ouais. Et on est en train de se pencher très sérieusement sur ce site, parce que vraiment, ça nous manque, déjà pour nous, et puis pour se faire connaître un petit peu plus. Bien sûr. Et là, on est plus qu'amateurs, là. On est vraiment... Alors, aujourd'hui, c'est assez simple de créer un site Internet. Hein. Je parle en connaissance de cause parce que j'en gère deux, trois. Donc, ça va très vite. Et en plus, c'est gratuit. Certains sont gratuits. Ah oui, mais c'est pas du tout l'idée du coup. Nous, mais comme on te le disait au début, on est les dinosaures du noir et blanc, mais on est aussi les dinosaures au niveau de l'Internet. Oui, c'est-à-dire que tous, on a fort à faire. Quoi. Là, autour de la table, bon, c'est une moyenne de 70 ans. Si on nous voyait physiquement, on n'a pas d'allure de dinosaure, quand même. Ah non, je vous l'avoue. Et c'est vrai qu'on n'a pas été baigné dans l'informatique tout jeune. Hein. Alors, si aujourd'hui, sur les antennes, il nous reste une minute, là, si vous aviez un message à faire passer à vos copains adhérents, photographes là-bas, de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous. Ouais. Alors là, vous êtes du bon côté. Hein, parce que moi, quand j'étais faire mon exposition de l'autre côté, j'y disais toujours l'autre côté de l'eau. Les gens, ils ne comprenaient pas. Oui, c'est de l'autre côté de l'eau. Là, aujourd'hui, vous êtes bien de l'autre côté. Alors, vous êtes du bon côté, et quand vous irez traverser la Seine, là, vous irez de l'autre côté de l'eau. Oui, mais à ce moment-là, c'est vous qui serez du mauvais côté. Ah non, normalement, on est du bon. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, moi. Alors, oui, est-ce que vous voulez faire passer un message ? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, même, hein, ne serait-ce que... Le message qu'on pourrait faire passer maintenant, puisque là, on va être sur la période, disons, de silence des 2 mois de vacances, travailler, n'hésitez pas pendant les vacances à travailler, et venez nous rejoindre, ceux qui ne sont pas encore au club, à Saint-Aubin, il n'y a pas de problème, on vous accueille. Très bien. Elisabeth, pour conclure. J'allais dire la même chose, mais en plus, je serais bien qu'on se fasse bien connaître grâce au site, et on vous donnera le site une autre fois. Bien sûr, et on fera la communication, on ne manquera pas. Et de vous suivre, parce que maintenant, on se connaît, alors je pense que j'irai vous voir déjà. Et Claude, est-ce que tu as un petit mot de conclusion ? Moi, je souhaite que nos rencontres soient toujours aussi amicales, toujours aussi enrichissantes. Alors, il faudrait qu'on fasse un projet, les photographes d'ici et les photographes de là-bas. Olivier m'a soulevé quelque chose, je vous en reparlerai, mais comme il n'y a rien d'officiel, mais on tâchera de faire quelque chose ensemble, j'espère, avoir un petit échange. Oui, parce qu'il y a matière à faire, là. Entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, attention. La Normandie tout court. La Normandie tout court, voilà. Eh bien, on va rendre l'antenne à Cyril. Et puis, je voudrais faire juste une petite annonce. Sur Le Havre, je suis allé voir, il y a très peu de temps, une exposition de Michel Surin, photographe professionnel, peintre de la marine. Michel a ouvert une galerie, 74 rue d'Estimoville, au Havre. Donc Michel Surin expose une quarantaine de clichés de son métier de photographe de la marine. Donc beaucoup de bateaux, beaucoup d'encre, voilà, au sens figuré comme au sens pop. Aussi un lieu qu'il veut faire vivre, puisque Michel a ouvert cette galerie pour lui, mais aussi pour les photographes de la région qui voudraient exposer. Donc, il faudrait prendre contact avec lui. Je vous rappelle que cette exposition qui s'appelle Expo d'encre est ouverte de 14h à 20h tous les jours jusqu'au 5 novembre 2017. Alors, le dimanche, c'est sur rendez-vous. Sinon, Michel Surin est à votre disposition pour faire connaissance avec vous, et puis en plus voir cette exposition, et secondo, vous proposer un lieu aussi si vous êtes photographe pour venir exposer. Donc cette galerie, c'est rue d'Estimoville au 74.
Autre exposition à voir aussi au MUMA, l'exposition de Pierre et Gilles, Clair-obscur. Alors, des photographes que vous avez vus certainement dans la presse havraise, photographes que je connais un tout petit peu via la presse, mais depuis très longtemps d'ailleurs, mais toujours via la presse. Et puis, il faut les voir, c'est particulier, il faut aimer, mais pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Alors, je vous conseille d'aller faire un petit tour au MUMA, et puis moi, je vais arrêter là, puisque je vais déborder et je vais me faire disputer encore une fois. Voilà, parce que à chaque fois j'ai le micro, moi je déborde. Je comprends pas, je suis un grand bavard. Bon alors, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus, d'avoir fait ce déplacement de 220 km, que je connais par cœur, et de venir parler à notre radio RVL. Eh bien, on ne manquera pas de vous donner une copie de l'enregistrement de cette émission, puisque là-bas, ils ne peuvent pas vous entendre. Désolé, on n'aimait que sur 30 km. Je vous remercie beaucoup. Enfin, et nous vous remercions de vous avoir reçu. Et puis, je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt.